Salut tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Donc la première vidéo de la chaîne. Donc sur cette chaîne vous allez retrouver beaucoup de trucs pour améliorer votre rugby justement. Que ce soit tactiquement, techniquement ou mentalement, n'importe quoi en fait. Tout ce qui a un rapport avec le rugby. Et on va aussi parler de certaines règles et du règlement justement de certains championnats. Parce que le rugby à 15, à 13 ou même à 7, c'est pas du tout la même chose. Mais là, aujourd'hui, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, je vais vous présenter la base du rugby, c'est la passe, parce que c'est peut-être le geste technique le plus compliqué sur le rugby. Et donc là, on va parler de la passe vrillée. Donc la passe vrillée, c'est vraiment la passe qui est la plus utilisée au rugby. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer deux exercices pour l'améliorer. Et à la fin, je vous montrerai la position et toutes les petits tips, les petites choses qui peuvent vous aider à améliorer cette passe. Et donc, je vous propose de commencer maintenant. Donc pour ce premier exercice, on va travailler sur le mouvement des poignets parce que plus vous avez meilleur est votre mouvement de poignet et meilleur sera votre passe. Parce que le mouvement de poignet, il va servir à faire vriller la balle. Et pour le receveur, il pourra avoir une balle bien vrillée et il saura à tout prix justement la trajectoire de la balle. Donc c'est pour ça que dès que vous faites votre passe, clac, il y a un mouvement qui s'enclenche avec votre poignet. Et donc, même là, quand vous tenez votre balle, il y a un mouvement, dans tous les cas, les deux poignets vont faire un mouvement. Donc je vous montre la passe directement, la passe avant de commencer l'exercice. La vraie passe, comment ça se passe justement. Et hop là. Voilà. Ça, c'est une bonne passe. Donc excusez-moi, j'ai un peu mal vrillé, mais c'est juste parce qu'on est en confinement en ce moment. Donc l'exercice, il va juste. Donc faut juste faire quelque chose. C'est prendre ses coudes, les mettre au niveau des côtes, et après s'amuser à vriller la balle. Juste avec les poignets. Vous faites juste ça et vous allez voir que au bout même de quelques essais, déjà votre mouvement de poignet sera meilleur. Donc, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Mais voilà, dès que vous faites ça, vous améliorez votre mouvement de poignet et donc c'est logique. Plus vous faites ce mouvement, plus votre cerveau il intègre ce mouvement et plus votre passe et votre mouvement de poignet est meilleur. Deuxième exercice, il va surtout travailler le bassin, parce que quand vous faites votre passe, vous la faites pas comme ça, vous la faites en tournant comme ça. C'est-à-dire que dès que vous faites votre passe, tac, il y a bien une rotation au niveau du bassin. Et donc on va travailler justement sur ça. Vous allez prendre votre balle à une main et vous allez hop là tourner. Vous allez vous amuser à faire ça. Et pour le niveau juste au-dessus de cet exercice, vous allez faire une passe. Bon, je suis plus à l'aise avec l'autre côté, mais voilà, là elle était beaucoup mieux. Voilà, vous vous amusez juste, enfin, du moins vous vous entraînez à tourner la balle. Bon là, je fais un peu mal ma passe là, mais voilà, il faut s'entraîner à faire ça. Voilà. Et donc voilà, ça c'est l'exercice, qui est assez simple au bout de quelques essais. Maintenant, je vais vous montrer la position finale de la balle, donc surtout de la passe. Excusez-moi si je fais, si j'ai, il y a que 2-3 trucs que je ne gère pas trop, parce que ça fait 4 semaines qu'on est en confinement, et je dois vous avouer que ça me manque un peu le rugby, et que le niveau est baissé un petit peu. Donc, premièrement, la base, c'est les appuis, les pieds. Vous ne pouvez pas faire de passe, à part en offload ou en schistera. Si vous êtes en train de mettre un appui clac ou même vous êtes en train de je sais pas, n'importe quoi, mais il faut que vous ayez des appuis solides. L'idéal, ce serait un pied devant, un pied derrière, bien ancré comme ça sur le sol. Comme ça, vous pouvez faire votre passe en courant, comme ça, vous êtes bam bam, vous faites votre passe. Deuxièmement, ça va être la position. Vous avez une main derrière, une main devant. La main derrière va servir à tourner la balle, il faut bien la mettre assez basse, et la main de devant, excusez-moi, elle va servir à comment on dit ça déjà? Ah oui, à viser justement, à l'orientation de la balle, excusez-moi, pour l'orientation de la balle. Et donc vous allez reculer votre bras pour que votre coude aille à la hauteur de vos épaules, pour mettre une impulsion, parce que les gens qui mettent une des passes en cloche, c'est pas bon, et puis ça ralentit le jeu. C'est pour ça qu'il faut mettre une impulsion sur votre balle. Vous faites ça. Pour les droitiers, ça va être la main gauche qui va être derrière. Et pour les gauchers, ça va être la main droite. Et ça dépend. Pour les ambidextres aussi. Donc, après, ça dépend de votre bon côté et votre mauvais côté, bien évidemment.
Donc vous faites ça. Dès que vous êtes comme ça, vous allez mettre une impulsion, comme je vous ai fait dans le premier exercice, enfin dans le deuxième exercice, pour faire tourner la balle et en ajoutant le mouvement de poignet que vous avez fait dans le premier exercice, et ça va vous donner, hop là, une impulsion. Et pour faire une passe à vitesse réelle, donc voilà, tu peux tourner un petit peu, ça fait, t'arrives, tu prends la balle, hop là, ça va très vite. Au moment où on reçoit la balle, clac, hop là, faut que ça aille très vite. Le petit tips à la fin, c'est dès que vous faites votre balle, enfin votre passe, il faut que vos deux mains soient dirigées vers le receveur. Regardez. Hop là. Et là, comme ça, on sait que la balle, elle va à cet endroit et pas n'importe où. Dernière fois, je vous le montre. Donc ça fait ça. Pam. Et dernière, clac. Voilà. C'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Et si vous avez des idées de vidéos, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et nous, on va se laisser là. Moi, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo.